tout part de la revue dessinée pour nous. C'est-à-dire que Inès contacte la revue dessinée et moi, de mon côté, je fais la même chose et c'est eux qui nous ont réunis. Moi, je ne connaissais pas du tout le sujet quand j'ai rencontré Inès et donc j'ai dû m'y mettre pendant la fabrication de l'article. Et donc, ça s'est fait très simplement. Moi, je suis allé en Bretagne puisque elle avait déménagé de Paris pour aller s'installer là-bas pour mener son enquête. Et donc, je l'ai rejointe à deux reprises pendant la fabrication de la BD. Et on a pu rencontrer quelques personnes qui apparaissent dans l'album pour mener notre enquête. C'est plutôt amusant, ça. Ça donne un petit peu de nerf narratif à cette histoire, qu'il y ait une multitude de positionnements par rapport à ce problème en fonction de la responsabilité de chacun par rapport à ça. Le déni, Inès, oui, il y a un déni de la part des politiques, de la part de certains scientifiques aussi. Mais après, les écologistes ne sont absolument pas dans le déni, évidemment. Mais c'est vrai que le problème réunit pas mal de gens qui s'opposent les uns les autres. Disons que le livre a très très bien marché en Bretagne. Je pense que les gens en avaient besoin. Mon sentiment, c'est que ça, c'est vraiment qu'il a comblé. Parce que les gens étaient au courant de tout ça, mais ils ne connaissaient pas tous les tenants et aboutissants d'un phénomène qu'ils connaissaient quand même de manière un peu extérieure. Donc je pense que en Bretagne, le livre est très bien reçu aussi pour ça. Ça, c'est lié au fait qu'au départ, c'est un article et, dans la revue dessinée. Donc, et pour faire cet article, on dispose d'un temps très limité. Donc il fallait aller au plus simple. Donc une ligne claire et puis une mise en couleur un petit peu pop pour contrebalancer l'aspect un peu classique du dessin. Et comme on avait fait 45 pages comme ça, il fallait ensuite le continuer. Mais le choix des couleurs, je pense, est assez logique. On est dans le vert jaune, un peu glauque, qui correspond très bien au sujet. Ça s'est imposé assez naturellement.